Oui, mais je suis. Bon, maintenant j'ai 67 ans, donc je travaille avec Julien et Gabriel, mes deux fils. Donc la passation est en train de se faire. Et nous avons maintenant 45 hectares de vignes, y compris les jeunes vignes, y compris les vieilles vignes aussi à restructurer. Et donc nous sommes passés en bio en 2006. Donc la conversion 2006 et la certification 2009. Nous sommes aperçus que, bien sûr, tous les ans, c'est un peu un challenge de réussir la protection mildiou, mais malgré tout, il y a toujours les aléas et il y a toujours un moment où on perd pied et c'est le mildiou qui l'emporte. Donc à partir de 2010, 11, 12, on s'est intéressé aux cépages résistants et on a décidé de planter des cépages résistants en 2013 et c'est en 2014 qu'on a planté les premières parcelles. Pourquoi planter des cépages résistants? Parce que, en fait, le bio c'est bien, mais la grosse limite c'est le cuivre. Et on sait très bien que le cuivre est de plus en plus limité au niveau européen. Et on sait très bien aussi que le grand défi pour l'avenir c'est la fertilité des sols. Et on sait que le cuivre stérilise les sols, les autres micro-organismes, aussi bien bactéries que champignons, qui assurent la fertilité du sol. Donc la seule façon de réduire, pour le moment, tant qu'il n'y a pas d'autres produits ou d'autres systèmes ou d'autres antagonistes au mildiou, ben, c'est de trouver un moyen de se protéger tout seul, c'est-à-dire la meilleure solution, c'est la nature elle-même qui la donne. Et l'homme, en quelque sorte, sert d'agence matrimoniale entre des vignes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, c'est-à-dire des vignes américaines et puis des vignes européennes, et en servant simplement de rencontre, sachant que c'est la nature qui fait la fécondation, qui fait la création des nouvelles espèces, donc avec un package qui est totalement naturel et qui est complet. Ce qui fait qu'à terme, on finit par avoir des souches et des nouvelles plantes qui sont totalement acceptées par la nature et dont la résistance est suffisante pour ne pas être contournée par le mildiou ou même le black rot ou le lithium. Voilà. Donc, c'est une forme d'humilité pour l'homme de dire on va créer quelque chose de nouveau, mais simplement en restant dans la logique et dans la philosophie de la nature, parce que c'est la nature qui nous mène, c'est la nature qui nous nourrit, et c'est dans la nature qu'on résistera et qu'on survivra. Alors les premières années, on avait des parcelles, des micro-parcelles qui étaient non traitées, donc on avait 100% de non traitées. Maintenant, on s'aperçoit que malgré tout, il faut quand même assister la plante. Et donc, en une année comme cette année, on est quand même à trois traitements sur les cépages résistants, sachant que sur le reste du vignoble, on est à 16 traitements pour un total de 3,9 kg de cuivre à l'hectare. Voilà, donc en fait, on réduit de 75% à peu près. Voilà, ça c'est quelque chose qui paraît réaliste, sachant que selon les souches, selon les variétés de cépages, ils sont plus ou moins résistants au black rot en particulier. Donc c'est le black rot qui pose problème pour le moment et donc il faut quand même rester vigilant. Donc on est resté sur le principe de dire 2 à 3 traitements selon les millésimes. Alors il y a trois effets principaux, c'est la réduction des dose, bien sûr, ça c'est certain, qui est mathématique. Donc si on réduit de 75%, c'est automatique, c'est tout simple à calculer. Il y a un effet psychologique et physique pour le viticulteur, c'est-à-dire qu'on n'est jamais pressé à la minute de faire le traitement, ce qui est totalement différent par rapport au traitement classique où il faut le faire à la demi-journée ou dès qu'on peut. Et physiquement aussi, c'est beaucoup moins fatigant parce qu'effectivement, un traitement, c'est toujours des heures de tracteur, là on les diminue. Et puis la troisième chose, c'est surtout l'impact. On n'a pas perdu de récolte. On sait très bien qu'avec les cépages classiques, de toute façon, même en ayant réussi une protection, il y a toujours 10, 15, 20, 30% de perte par rapport à ce qu'on avait prévu. Avec les cépages résistants, il n'y a pas de perte. Voilà. Donc, que ce soit psychologiquement, physiquement ou économiquement, le gain est là. C'est indéniable. Alors pour la valorisation, c'est un peu spécial, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais le présenter comme un hybride. Pourtant, c'est le mot qui convient. Mais le mot hybride est quand même entaché d'un passif maintenant. Les cépages résistants, ce sont des cépages qui sont qualitatifs parce qu'ils ont été sélectionnés et choisis. Donc il ne faut pas parler d'hybride. Et ensuite, il faut expliquer la démarche. Et donc, on trouve des gens qui sont intéressés par cette démarche. Mais on a seulement actuellement 3 hectares et demi sur le vignoble, sur
45, ce n'est pas des grosses cuvées, ce sont des familles, donc la production n'est pas encore importante. On introduit progressivement des particulières et on explique. Et c'est intéressant, quoi. Oui, alors on est satisfait et en même temps on se rend compte qu'il faut être vigilant, c'est-à-dire qu'il faut bien suivre l'apparition des nouveaux cépages, et en particulier le nombre, la complexité et la totalité de la résistance, parce que certains cépages peuvent être moins résistants au blackrot par contre, en particulier, et donc dans tous les nouveaux cépages qui vont apparaître, il faut bien vérifier et être un petit peu prudent, mais bien vérifier qu'il y a une très très bonne résistance, aussi bien au milieu. Ok, ben écoute, merci beaucoup Guy. Avec plaisir.